Les images que vous verrez dans ce récit ne sont pas tirées du reportage dont je vais vous parler, puisqu'elles m'ont été volées. C'est un mélange de sujets que j'ai réalisés avant et après en Bosnie-Herzégovine. Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter ce qui m'est arrivé sur une route de Bosnie entre Split et Sarajevo. Nous sommes en février 1994. C'est un moment de très grande tension en Bosnie-Herzégovine. Les Serbes ont bombardé un marché à Sarajevo. Ça a été un massacre. L'ONU répond en demandant aux Serbes de mettre toutes leurs pièces d'artillerie à plus de 20 km de Sarajevo. Si le 21 février 1994, les Serbes n'ont pas reculé leurs pièces, il y aura des frappes aériennes. Welcome. Welcome. This is a Dobrina place. Welcome. Yes, I know. À ce moment-là, la chaîne de télévision NHK me propose d'aller en Bosnie pour eux. Le reportage qu'ils veulent n'a rien à voir avec tous ces événements. Ils veulent un reportage complet sur les convois qui vont de Split ou de Zagreb jusqu'à Sarajevo amener des vivres pour les soldats de l'ONU, mais pas seulement pour les soldats de l'ONU, évidemment pour les Bosniens, puis pour les Serbes et les Croates. L'ONU ravitaille tout le monde. Orane, passe sniper. Viens. Oh là là. Non, ça va. J'en parle à un ami de 20 ans. Nous décidons de partir ensemble. Le 11 février 1994, c'est la traversée de l'Europe. Après l'Allemagne, l'Autriche, nous voici en Slovénie. Et enfin en Croatie, à Zagreb, où nous allons tout de suite prendre nos cartes de presse à l'UNPROFOR. Ça fait maintenant 3 jours que nous sommes partis. Nous assistons au chargement des camions, nous filmons une énorme salle d'opération où le colonel qui est en charge du régiment voit en temps réel où sont ses camions sur une carte de Bosnie. Puis nous mettons sur la voiture un énorme sigle « Presse ». On ne sait jamais. Mais le colonel nous informe que finalement, vu la situation, nous n'avons pas le droit de partir avec lui. Nous sommes des civils, on n'a pas le droit de risquer notre vie. Alors comment faire? Il faut aller à Split ou en Italie pour prendre un avion. Et de Sarajevo, on verra bien. Finalement, on choisit Split et nous partons. La route est très accidentée et enneigée. Nous arrivons à Split le soir même. Le lendemain, nous en sommes sûrs, on prend l'avion pour Sarajevo. L'aéroport est à côté, il y a des transports militaires tout le temps. Pas de problème. Le lendemain matin, on arrive à l'aérodrome. Une centaine de journalistes. Alors, je vais voir le colonel qui est en charge du SIRPA. Il m'a dit, écoutez, vous en avez au moins pour 2 jours. Au moins pour 2 jours, avant que tous ces gens-là puissent partir. Et je suis dans le bureau. Et je vois d'un seul coup un fax tomber du ministère de la Défense. Je regarde rapidement le fax. Et je vois, urgent, du ministre de la Défense, François Léotard. Il est demandé au SIRPA de prendre en charge
une journaliste de TF1 qui arrive de Paris par l'avion le jour même et de l'amener donc à Sarajevo en toute urgence. Le sniper est là, à 20 mètres. Je vois dans ce fax immédiatement le moyen de nous en sortir. J'ai pris une photocopie de celui-ci qui traîne dans le bureau des opérations tenu par des Norvégiens. Il faut trafiquer ce fax, remplacer le nom de cette journaliste par les nôtres. Pour cela, nous allons avoir besoin de mon bureau à Paris. À Paris, il photoshoppe le document, remplace les noms et m'appelle en me disant que le fax sera au bureau de presse le lendemain matin à Split. Alors je sais, ce n'est pas bien du tout. Ok, on ne devrait pas faire ça. Mais nous, boîte de production, petite boîte de production, on ne peut pas faire autrement. Ce sont des impératifs économiques. On ne peut vraiment pas faire autrement. Alors, ça passe ou ça casse. Point final. Bien sûr, nous sommes très tôt à l'aéroport. Le responsable du CIRPA à Split vient me voir pour me dire qu'il a reçu des instructions me concernant. Je l'interroge. Il me dit qu'il a ordre de me faire monter dans le premier avion pour Sarajevo. Nous allons ensemble au Novikom. C'est le bureau des opérations des Norvégiens. Le chef norvégien rentre dans une colère noire. Les Français, nous dit-il, se croient au-dessus des lois de l'ONU. Non, il n'en est même pas question. Même si François Mitterrand lui demandait, il refuserait de nous faire partir en priorité dans cet avion. Le commandant le prend très mal et me dit tout de suite qu'il fera tout pour que nous montions dans le prochain avion. Il va en informer le ministère de la Défense et le ministre. Bon, notre combine tombe à l'eau, mais complètement à l'eau. Il faut partir le plus rapidement possible en voiture à Sarajevo, fuir la Croatie avant que notre arnaque s'ébrute. On prend en même temps un journaliste d'Europe 1 qui nous demande de venir avec nous parce que lui aussi est complètement bloqué. Et on s'en va. Il y a à peu près 5 mètres de neige sur la route. Une voiture se met en travers de la route. Cela nous paraît presque normal. La progression sur Sarajevo est très pénible. Il y a beaucoup de neige. Trois hommes en sortent. Ils sont armés. L'un d'eux vient vers ma portière, l'ouvre et me donne des coups de crosse avec son fusil. Je vois mon pote à côté de moi qui a les mêmes problèmes. J'entends des cris derrière moi. C'est le journaliste d'Europe 1 qui est venu avec nous, qui est expulsé de la voiture. Finalement, je sors. L'homme en face de moi me met en joue. Je résiste, car il veut la bêta. Derrière moi, j'entends l'Audi qui démarre en trombe avec toutes nos affaires. Je résiste toujours à l'enfoiré qui veut manifestement ma caméra. À ce moment-là, mon ami me gueule de tout lâcher. Je lâche la bêta. L'homme met la caméra dans la voiture, qui est toujours en travers de la route. Ensuite, ils s'en prennent aux journalistes d'Europe 1. Le fouille à corps, mon ami qui sait que c'est moi qui ai le pognon, brandit un peu d'argent. Et moi, j'évite la fouille au corps. Pourquoi ? Ils ont l'air pressés, ces gaillards. On va savoir bientôt pourquoi. 30 secondes plus tard, une patrouille de police croate arrive, s'arrête, nous demande affablement ce qui se passe. La voiture des truands est encore visible, à 200 mètres. Nous la désignons immédiatement aux policiers qui parlent anglais. Ceux-ci comprennent, mais ne bougent pas. 2 minutes se sont écoulées, quand ils décident de donner la chasse aux voleurs. Ils ont tout simplement attendu que leurs complices disparaissent pour démarrer. Nous nous retrouvons alors seuls sur la route de Sarajevo, sans argent, sans papier, sans caméra.
Une navette de l'ONU passe, hésite à nous prendre. Ils n'ont pas d'ordre du QG dans ce sens, nous disent-ils. D'ailleurs, au bout de quelques instants, ils s'en vont, nous assurant que quelqu'un viendra bientôt. Au bout d'une demi-heure, un officier norvégien de l'ONU nous récupère et nous fait savoir qu'il ne fallait pas passer par cette route qui est renommée pour ses brigands, qu'ils soient serbes, bosniaques ou croates. Tous unis dans la même cause, détrousser les journalistes qui viennent témoigner de l'horrible conflit bosniaque. Nous voilà arrivés au QG de l'ONU. J'apprends que le général Rosso, croate, chef du HVO, est en discussion serrée avec le général Rose, qui dirige l'ONU. Je vais essayer de rentrer en contact avec lui, car les hommes qui nous ont attaqués étaient en uniforme noir comme ceux de Rosso. Ce général a un parcours très particulier. C'est un ancien légionnaire. Mais pour nous, qui voulons récupérer notre matos, cet ancien adjudant nous intéresse, car il parle très bien français et en tant qu'ancien de la Légion, il ne peut laisser tomber des journalistes français. Enfin, il sort de sa réunion avec Rose, je l'interpelle, chose extraordinaire, il m'écoute, se tourne vers son adjoint, donne des ordres auxquels je ne comprends rien et me dit « Dans une heure, tout vous sera rendu. » 2 heures plus tard, nous nous retrouvons devant le poste de police croate et nous découvrons avec stupéfaction que notre voiture est là, garée devant. On est immédiatement douché, hein. Plus de caméra, plus rien. Plus de rush, plus de caméra, plus rien. Les plaques de la voiture ont été arrachées, ce qui prouverait que cette voiture devait aller dans ce marché aux voitures de luxe qui est organisé par la mafia croate à Split. Bon, la caméra a disparu. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, rentrer à Paris et affronter NHK. Bon, problème. À bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.